Réalisatrice franco-lituanienne, Alantė Kavaitė a reçu le prix de la mise en scène à Sundance en 2015 pour son second long métrage Summer. Il est présenté cette année aux Arcs dans le cadre de la section Nouvelle Femme de cinéma. Elle revendique la possibilité de faire un cinéma dans lequel la question du genre ne devrait pas se poser en tant que telle. C'est très bien d'en parler parce que ça fait surgir des idées et puis même à titre individuel, c'est pas un sujet qui fâche, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet qui est douloureux parce qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, a été amenés artificiellement ou pas artificiellement à se poser les questions. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'agacer de ça. J'aimerais tellement vivre dans un monde où la question du genre ne se pose pas, où la question de la préférence sexuelle ne se pose pas. J'aimerais tellement ça. Qu'évidemment, quand on est en train d'analyser la situation et de dire « mais waouh, à quel point on est loin de ça », est extrêmement énervant, est irritant, et voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, la pierre que je peux apporter à cet édifice, c'est de me dire « je suis vigilante quand j'écris des scénarios sur les rôles que je distribue aux femmes. Je suis très vigilante dans ma création ». C'est plutôt comme ça que j'ai envie de faire avancer des choses, de ne pas systématiquement, de vraiment prendre le temps de réfléchir. Parce que souvent, vous voyez des films qui sont réalisés par des femmes, où les chefs de poste sont occupés par des hommes, où, encore une fois, on met la femme dans une position caricaturale. Donc, c'est une espèce de responsabilité personnelle à laquelle je fais appel. Mais des personnages LGBT, enfin des personnages gays, ils sont comme tout le monde, ils ont des métiers, ils ont des problèmes autres que des problèmes du cœur, ils ont des problèmes autres que faire accepter leur homosexualité. Donc pour moi c'est vraiment ça et je me suis dit, mais dans la mesure du possible, le plus possible, je vais essayer d'en mettre dans mes films pour vraiment pour installer ça comme paysage. Ça fait partie du monde, c'est la beauté du monde, c'est la diversité. Et arrêter de parler du sexe tout le temps avec ces gens-là. Ce sont des gens qui ont des métiers, qui ont d'autres problèmes que la sexualité. Et de cette façon, je pense faire progresser peut-être des choses. Et j'ai eu la preuve que oui, par des gens donc, très allergiques aux films LGBT qui ont vu mon film et qui m'ont dit merci, mais aussi par des militants, par des groupes militants LGBT, que ce soit en Allemagne, parce que le film était à Berlin, ou par exemple, j'ai été avec le film en Israël, j'ai beaucoup parlé de ça avec eux, et ils m'ont dit merci de faire un film où il n'y a pas de drame, où c'est juste, voilà, ça nous fait du bien. Et donc c'était le but.